Voilà. Hop là. Ça devrait le faire. Voilà. Donc je continue la partie parce que j'ai déjà commencé la partie. Donc, chargement. Pourquoi quand j'appuie sur une touche, eh bien, ah, ah non, c'est bon. Non, c'est que clavier en fait, il s'était bloqué. Donc, j'en étais là. Donc, j'ai pris ce personnage-là. Normalement, on avait un black, je crois. Enfin, je crois sûr que oui. Balle de fusil de chasse, ok. Donc, on va se faire une petite mission. Découvre ce qui se passe. Problème au tribunal. Effet personnel. Problème au tribunal. On va aller là. Donc, attendez. Pour un petit écho qui va gêner. Voilà. Donc, j'espère que le son que j'ai eu mon micro est assez fort. Ah, bah tiens, la porte était ouverte. Donc, j'ai expliqué en résumé. En fait, c'est on est un personnage qui, au début du jeu, se retrouve directement dans l'action. Et que. Et du coup, bah, on aide son ami après, parce que comme il s'est fait mordre, ou comme ça, bah, en fait, on cherche un docteur et tout, et après on a vu une maison en clair, et après on a découvert les premiers survivants, et après il y a plein de petites missions du genre comme ça où on cherche des survivants, donc après ça a donné pour moi 19 survivants trouvés. Donc c'est des petites missions comme ça, et après j'avais vu le tribunal qui se trouve là, où t'as plein de survivants, mais je sais pas s'ils vont nous rejoindre ou pas. Donc ça après on va voir. Donc ici c'est une place de parking. Donc tout ce qui est les voitures qui sont placées là sont sauvegardées, donc normalement moi c'est quand je quitte le jeu et je reviens. Ici là c'est une tour de guerre en fait, protège aux alentours des zombies, donc après on peut l'améliorer pour que ça s'étend un peu plus loin. Et voilà. Sinon tous les petits points ici c'est marqué, c'est la zone de protection, donc dedans t'as les zombies, ils peuvent pas passer. Ils sont repoussés à part ceux-là qui ils marchent là. Regardez. Voilà. Donc on va y aller maintenant. C'est-à-dire que les zombies sont attirés par le bruit, donc vous verrez non sur le côté gauche, au niveau de la minimap. Vous avez une sorte de petit cercle bleu qui s'agrandit quand j'accélère, donc ça fait plus de bruit. Quand je ralentis, ça fait moins de bruit. Et voilà, donc on va aller rapidement là-bas. Elle est dormant. J'espère que le pont n'est pas bouché. Je crois pas. Voilà. Donc il y a plusieurs types de zombies, là, les zombies quand on les tire dedans ils explosent et ils nous donnent... Ils nous éjectent des trucs pustulants. Là il est bugué parce que tellement ta munition il se baisse pas, donc par moment bon. On va jouer quand même avec, c'est pas grave. Donc là la fatigue aussi dans le jeu, donc on peut changer le personnage. Donc j'espère qu'ils vont me suivre là. Non, je crois qu'il faut que je les aide. Qui... Ah bah tiens, il s'est fait bouffer le mec.
Elle aussi. Je vais être sûr. Ouais, alors on va les attirer là-bas parce que c'est un peu mal. Oh oh. Bon, il me reste 9 grenades d'explosion. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pardon, c'est le sac à dos. Voilà. En fait, là, je crois qu'il faut que je me casse. Putain, il est où ma voiture, bordel? En fait, je crois qu'il faut... Faut que je reste à l'intérieur, je crois bien. Bon, je vais me réfugier un peu dans la cabane là-bas parce que là c'est un peu chaud. Il y a l'air d'avoir des ennemis dedans. Voiture! Allez, en danger. Bon, je vais là-bas. Il y a un alien en danger, il faut que j'aille le sauver. Donc ça va vous montrer aussi une autre partie du gameplay. Donc c'est des petites missions comme ça. Et une autre primaire et tout. Donc, ah, ces corps-là. Bah, dis donc, c'est toujours dans le coin-là qu'ils vont. Ils font toujours coincer là, ils ont... Enfin, ils ont pas peur. Hein. Mais, oh, frappe sur des... Voilà. Et là, en plein zombie, on va quitter la voiture. Ouais, ils ont tiré. C'est pas très mauvais. Ah, dégage! Fouillé. De toute façon, dans les maisons, on n'a pas, on soit pas de dégâts. Cours, 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 on s'en bat de la fille, elle a qu'à courir et tout. Elle a qu'à se parer et tout. Moi, je me barre. Voilà, on peut les shooter avec des portières. Tiens, les freiner. Hop, voilà. Donc, jusqu'à la cabane. Donc, la cabane, ça se trouve. Opération de secours. Non, je vais aller dans la maison là. Voilà, il y a une horde là. Voilà, la voiture est endommagée aussi. Donc, dépêcher. Et ouais, la zone sûre là, là c'est sûr qu'il ne pourra pas nous attaquer. J'ai laissé ma voiture là-bas, donc je vais la garer là et la prochaine fois, donc elle sera réparée. Nickel. À part si je pars avec celle-là avant, donc il y a forte chance que je me balade avec elle pour pas pas bousiller les autres bagnoles. Voilà, donc là je dois rapporter au sac. 19 populations donc ils m'ont pas rejoint. Mais au moins j'ai le sac des autres. Mais en fait je crois que je devais pas partir le coin. Donc là c'est les points de répute qu'on donne, au niveau de l'influence. 1004, mais là ça reste bloqué à 999. Tout en donnant des munitions, donc ça j'ai pas snipe, ça. C'est 49 mm maintenant, moi c'est un pompe, donc je peux tout mettre. Je m'utilise une clé à molette. Voilà.
Et le moral donc qui monte quand on finit bien l'émission et quand on les encourage. Donc là, pour changer de Mais ça va personnage, bien on a aller. juste à cliquer sur je suis HS, tu peux me prendre l'air. Bye. Voilà. Donc pour ce qui est de création de base, enfin là c'est les ressources. Bon. Quoi? Je viens de faire une analyse AVG Mmh. et tous mes trucs étaient dans le rouge. Et il me dit de remettre un. Voilà. Donc là on peut améliorer donc les peut étendre et tout. Donc là je vais étendre un peu information d'installation. Voilà. Annuler le round. Donc là c'est pour les entraînement corps à corps et tout ça. Entraînement. Les antennes là c'est pour trouver d'autres spécialisations. Là non je peux pas. C'est pour des mines et tout, pour pas qu'ils rentrent dans le périmètre et tout ça. Là pour faire les soins et tout ça. Pour agrandir. Du biodiesel, là c'est les voitures, les chambres, en gros voilà. Donc la nuit je vous suggère vraiment de ne pas sortir. Alors là c'est un truc survivant amico. Ok, et je devrais y aller comme ça ils vont rentrer dans ma cabane, donc je vais y aller avant qu'il fasse nuit. Voilà. Entraînement de combat commencé. Okay. Ils vont s'entraîner au combat, comme ça ils vont être un peu plus fort. J'espère que la voiture ne va pas surchauffer quand avant d'être arrivé. Je serais mal. Tu sais quoi? Je vais prendre celle-là. Surtout que voilà, si je veux réparer la bagnole, je vais aller ramener. Si je les pète, bah, ils sont pétés pour de bon, on peut pas les retrouver. Et après, bah, on sera obligé de faire tout le chemin à pied, surtout que ça comme map à faire à pied, ce serait un peu trop long. Oh, ah, j'ai eu chaud. Donc, survivant amico, on va y aller, on va bien voir si je peux les inviter. Si je peux pas les inviter, bah, tant pis. J'ai. Mais normalement, s'il y a une icône là. Vous devrez nous rejoindre. Allons-y. Ramenez les survivants à la base, j'ai 24 chambres donc. Ah non, il n'y en a que deux. Allez, monte. Voilà, on va passer par dans les menus. Mais si, si, comme dans un thriller, on a vu, bah. Normalement. Le palais là, le justice là, il va se faire vraiment avoir et tout quoi. Surtout qu'il est mal protégé par rapport à la base que je me suis faite là. Aïe, mince. C'est surtout que celle-là, c'est la base la mieux protégée quoi, tu vois, des. Qui existe. Oh, zombie mince là. Il y a encore une horde quoi, c'est vraiment la fête aujourd'hui. Là que ça quoi, juste pour bousiller les bagnoles.
Oh là là. Je vais garer là, comme ça. Dans le jour, ça sera nickel. Ou quand je démarrerai la nouvelle partie. C'est là que je vais essayer. Bah, voilà. Deux survivants en plus, donc 21. Yeah. Oh, mais. Cette logiciel me fait. Il m'embête là. Vous êtes maintenant ami avec Brian. Survivant amico, ok. La loi, mais oui, on s'en fiche de la loi. Une idylle qui se complique. Les hordes mettent du temps à se rassembler. Si on en élimine, ça nous rendra la vie plus facile pour un certain temps. Il y a une horde qui arrive là. Oh oh. Ouais, horde en approche. Normalement, ils arrivent. Je suis sur la mauvaise route, je crois. Ah non, il y en a un qui arrive par là. Donc, je vais y aller en mode. Courir. Normalement, ils sont là-bas. Donc la nuit là il va avoir de plus en plus de hordes là. Donc là il faudra faire gaffe. À partir de là, il peut y avoir des zombies partout. Une heure de zombies s'est dirigée vers là-bas. Ah mais ce qu'il y a, je recharge et tout, mais en fait mes munitions je vais pas baisser. Un petit bug. Donc il y a une horde qui s'est dirigée vers la base. Intercepter une horde de zombies. Oh, je suis juste à côté. Quelqu'un a besoin de parler. What? Oh! Je vois un zombie courir vers moi et d'un coup, il disparaît. Se diriger vers la base. Ouais, en fait, là, c'est se promener et aller dans une baraque et tuer un tas de zombies. Ouais, donc, il a besoin de parler. Quoi. Faut toujours fermer la porte, dis donc. Donc, il est là-haut. Gestion de colère. Trop de hordes. Je vois bien qu'il a trop de hordes. Trois hordes. Qu'est-ce qu'on va me faire? Ouais. Celui-là il se déplace vraiment vers la base.
C'est bon. Donc là, je dois nettoyer la zone. Ok. Allez, hop, va-t'en. Cours. Mince, la voiture. Oh non! Casse-toi, t'es de horde de merde. Oh merde. Et comme c'est la nuit. Eh, je le connais lui. Il était. C'est un personnage d'histoire. C'est un survivant, hein. Il s'était fait même bouffer quasiment. Ah, casse-toi. Bon, on va rentrer. Revenir à la base, bah, il court vers la base, moi j'y vais. Et hop, c'est qui lui? Hein? Les hordes de zombies s'est dirigé vers la base. Oh non! Mais j'ai des défoncés maintenant. Dehors de ça, ça va être grave. Dehors. Dirigez-vous là-bas. Ah, ils sont morts, ils sont rentrés dans l'avant-poste. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Préparation des pièges là-bas. Donc ceux-là en fait c'est dès qu'ils rentrent dans l'avant-poste. Boum. Mais qu'ils ouvrent la porte. Donc je vais avoir l'autre pétasse là qui n'est même pas la peine de rentrer dans la base tout seul. Et reste là, ouais. Alors là, vous me traitez de chauffard. Listen, whatever the problem is, you need to knock that shit off. You're starting to freak out the others. Is that why you wanted this bit of quality time? But you gotta figure out a way to deal with that shit. Take it out on the Zeds, not the rest of us. Okay, now we're done. I'm headed home.
Voilà. Donc on a un peu vu un peu le jeu, à quoi il ressemblait et tout. Donc si vous voulez un peu plus, j'en ferai un peu par moment et tout ça. Donc là, il y a une autre horde qui arrive. J'ai juste les tuer et après on va se quitter. Ils sont pas morts, mais... Ah si. Et voilà, tant que je vous dis à plus tard, et merci d'avoir regardé.